monde, bonjour aux nouveaux abonnés, aux anciens, aux nouveaux membres, aux anciens, bref, à tout le monde, j'espère que ça va, que vous vous êtes bien reposés, si vous êtes parti en vacances ou pas d'ailleurs. Moi je suis pas partie, mais je me suis reposée quand même. Hein. Enfin, j'ai pris une semaine à Medjugorje, mais bon, c'était fatigant parce que j'ai passé mon temps à faire des kilomètres, hein, je peux vous dire. Que... Par contre, la paix intérieure, ça ouais, je l'ai trouvée. J'espère que vous aussi, au niveau intérieur, j'espère que vous êtes au calme. Parce que j'ai quand même l'impression que les prochains mois vont être assez houleux. Alors, eh bien on va parler de Voldemort, alors que j'appelle aussi Caligula. Hein. L'empereur fou, l'empereur sanguinaire. Je trouve que ça lui va bien. Hein. L'empereur détesté, mais au début qui était adoré du peuple. Hein. Et l'empereur qui avait... ouais, comment dire? C'est pas lui qui avait aussi des relations incestueuses? Ah non, peut-être pas, je m'en rappelle plus. Bon, enfin bref. Alors, on va regarder un petit peu son devenir. Et puis, éventuellement, ses projets. Ça, c'est la première partie de la vidéo. Et alors, si je ne suis pas trop longue, en deuxième partie, je vous ferai un peu si ses maîtres sont contents de lui. Parce que quand j'avais fait focus sur 2024, je voyais quand même que ses maîtres, alors qu'on ne connaît pas, hein, ou peut-être qu'on en connaît certains, enfin bref, allez le mettre de côté. Alors, on y va. Manu Caligula. Bon, alors là, on récolte ce qu'on sème, j'ai envie de dire. Tiens, un départ, on va voir. Alors, pour l'instant, il s'amuse bien avec son cher et tendre. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. Allez regarder géopolitique.fr. Il y a une photo, on voit très bien le service 3 pièces du Brimich, c'est très drôle. Enfin bon... Ceux qui n'en sont pas encore persuadés, il faudrait que vous mettiez des lunettes. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu où est-ce qu'il en est. Moi, je prends le jeu du haut, puis je prendrai mon oracle éventuellement pour compléter. Enfin, le jeu du haut, c'est un vieux copain quand même. Hein. Ça fait longtemps que je le fais. Okay. Alors, je regarde sa photo qui est juste à côté. Hein. Voilà. J'étends mon intuition, mes antennes intuitives vers lui. Espérons que j'arrive à choper des infos. Alors, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu vas nous faire? Comment ça se passe pour lui? Donc, c'est vraiment un jeu qui se centre sur lui. On ne va pas regarder la coupe, mais j'ai quand même coupé. Voilà. Alors, on y va. Je fais un peu de place. Il faut bien mettre les grandes cartes par-dessus, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Expert. Alors, j'ai l'aigle la tête en bas, quand même. Alors, je ne sais pas s'il y a un sens. J'ai envie de le garder en bas. Normalement, vous savez, l'oiseau, il va vers le haut. Mais comme la carte était en bas, j'ai envie de la garder en bas. Voilà. C'est un peu différent de ce que je fais habituellement. Mais là, j'ai l'impression que il est en train de chuter. Bon, on va voir. Alors, le sol. Ah, tiens, le soleil. Là aussi, il est à l'envers, le soleil. Bon, on va le garder à l'envers. Alors, le soleil, c'est l'ego, c'est je brille. Je brille, donc je suis. Mais là, il est tout seul. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah, ouais, on va le mettre l'âne à l'endroit, quand même. Allez, hop. Parce que l'âne, de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, c'est un fardeau. Il recule devant un fardeau. Intéressant. Le serpent, qui est un rival. Bon, là, il y a des rivalités. On regardera à la fin. La haine de ceux qui réfléchissent, j'ai l'impression. À moins que ce soit la haine de la Constitution, ce qui n'est pas impossible parce qu'ils ne la respectent pas du tout. Hein. Vous savez qu'on a un gouvernement démissionnaire qui continue comme si de rien n'était. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La peur du châtiment. Tiens, tiens, amusant. Et là, cacher ses pensées. Bon, on va la mettre à l'endroit, celle-là, parce que ça change rien. Dans un sens comme de l'autre, c'est un changement... Au niveau des pensées, il cache ses pensées. Bon, et là, la douleur de l'agenda. J'ai l'impression qu'il est en retard, moi. Je vous dis, hein, j'ai ouï dire qu'il était en retard. Et effectivement, j'ai l'impression que là, il y a un calendrier ou un agenda qu'il n'arrive pas à respecter. On ira voir éventuellement si j'ai raison ou pas. Alors, lui au milieu, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Rire, rire jaune, hein, rire, mais il est enfermé.
C'est amusant ces cartes-là. Elles sont pas très positives pour lui quand même, hein? Non. Un expert, alors quelqu'un qui dit qu'il est expert, mais qui est en chute libre. À moins que ce soit les experts, donc les gens, ses maîtres par exemple, qui considèrent qu'il est en chute libre. Ah, on ira regarder éventuellement s'il faut recouvrir ici. Bon, là, il est seul, hein. Là, on voit que son rayonnement là est en train de se casser la figure et qu'il est de plus en plus seul. Bien. Bon, il recule devant un fardeau. Alors, le fardeau, c'est quoi? Le fardeau de la dette, très certainement, puisque je vous avais dit que selon moi, la fameuse dissolution de l'Assemblée, c'était parce que il ne savait plus trop comment faire pour cacher l'abysse colossal de la dette. Il est bien embêté, hein, pour rester poli. Il est bien embêté parce qu'il faut absolument faire passer ce budget pour 2025 et que là, ils ont tellement fait de grosses merdouilles. Ils ont tellement fait de grosses merdouilles que là, ils se sont mis eux-mêmes en difficulté, quoi. Et je crois que c'est ça, en fait. Ils ne savent pas comment résoudre le problème. Parce qu'ils sont déjà tellement populaires, tous, là, les démissionnaires ou pas, d'ailleurs. Ils ne savent plus, ils ont pressuré de toutes parts. Et là, vous voyez, là, on recule devant la dette. On recule devant le fardeau de la dette. Il n'a pas de solution. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. Là, le Mozart de la finance, le bazar de la finance, ouais. Là, il nous a mis le bazar. Alors, rire. Oui, ben là, je pense que c'est rire, mais c'est un rire de façade, hein. C'est un rire de façade parce qu'il est coincé, hein. Donc là, on peut éventuellement dire que il masque un petit peu sa peur, hein, parce qu'il a peur. Hein. Attendez, je reprends sa photo 2 secondes. Voilà, il a peur du châtiment. Je me demande s'il n'a pas peur d'être remplacé aussi, ou alors le rival. Vous savez que ces gens-là sont remplaçables, hein. Ce sont des pions. Il y en a un qui part, il y en a un autre qui arrive. Je me demande s'il n'a pas peur quand même d'une trahison et d'être remplacé par quelqu'un d'autre. Alors pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que justement il n'a pas su gérer les finances, il a fait du n'importe quoi? Même avec Bruno, l'absence de lumière là, ou Bruno Lunaire, qui a essayé de falsifier les comptes, hein? Bah oui. Mais à mon avis, on va découvrir encore des choses. À mon avis, je pense que la dette est encore plus importante que ce qu'on nous dit. Ça pourrait expliquer pourquoi ils sont tellement embêtés. Ouais. Donc, même malgré les magouilles, là, quand même, il est mis au pied du mur. Hein. Il est coincé. Vous voyez, reculé. Il recule devant le fardeau à porter. Et il faut bien qu'il assume, quand même. Mais justement, ce n'est pas le genre à assumer. Donc, il n'assumera pas ses erreurs et il n'assumera pas le fardeau de la dette. Donc, il recule. Et là, il a peur des conséquences. Hein. Il a peur du fouet. Alors, du fouet venant de qui? Je pense que ça peut être le fouet venant des experts, qui vont considérer quand même qu'il a très mal géré, justement, ce qu'il devait faire. Il cache ses pensées ou il cache sa peur. Ça, c'est pas impossible, hein. Il cache sa peur. Moi, je pense que les deux vont bien ensemble. Il a peur du fouet. Il cache ses pensées. Il cache sa peur aussi. Et là, il y a une douleur par rapport à un agenda, pardon. Je crois qu'ils sont vraiment en retard. Alors, la haine de la Constitution, très certainement, la haine de ceux qui se renseignent, ou la haine de la réglementation. Il y a vraiment la notion ici de s'instruire, de suivre, vous voyez. Hein, pour moi, c'est la Constitution, ça, de suivre justement ce qui est légal. Il y a une haine vraiment de l'ordre établi, pourquoi pas. Bon, il est coincé apparemment. En tout cas, il est coincé et il rit jaune, à moins que ce ne soit les gens qui rient de lui. C'est pas impossible, hein. Mais enfin, normalement, il est censé être au milieu. On va remettre une carte sur rire. Sur les experts, sur le rival. Et qu'est-ce qui nous cache là? Allez. Alors, les experts. Les experts, mais il n'y a plus personne. C'est intéressant. On va remettre quand même une grande carte. Vous arrivez à voir? Ouais. Alors, les experts. Et là, on a une place vide. Le devoir. Oui, il y a quelque chose, hein, un devoir, mais il y a une place vide. Moi, je pense que les experts, et vous pourriez y voir, pourquoi pas un aigle, donc les US, hein, par exemple,
Eh bien, ces fameux experts qui sont aussi ses chefs l'ont donné un devoir à faire, mais avec le vivre, le couvert, les tables bien garnies, sauf qu'il n'est pas là. Donc je pense qu'il a manqué à ses devoirs. Quelque part, il y a quelque chose qu'il a loupé. On essaiera de poser la question à quel niveau, mais je pense que c'est les dettes. Il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire là. Parce que là, ça va trop vite. Ça va trop vite et ils ne sont pas prêts. Alors quand je dis ils, c'est les satanas mondialistes, ils ne sont pas prêts à nous imposer le numérique qui devra arriver vers 2027. Donc il y a une espèce de timing qui est pas bon là. Parce que la France va cracher, là on le sait. Mais comment ils vont faire? Alors le plan, c'était de remplacer normalement comment dire, de faire le basculement entre 1 euro qui ne vaut plus rien et 1 euro numérique. Sauf que là, l'euro, il ne tient plus. Parce que le poids de la dette est trop élevé. Donc moi, j'ai l'impression qu'en fait, il a merdouillé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a sur le rival? Ah, ça, c'est amusant. Ça, on a quelqu'un de malade. Tiens, tiens, tiens. Ah, moi, je vous avais dit qu'il pourrait le faire dégager pour des raisons fausses de santé, hein. Est-ce qu'ils ne vont pas nous faire justement ne pas nous jouer cette carte-là en disant qu'il doit partir se reposer burn-out, tout ce que vous voulez, et qu'il y aurait quelqu'un qui prendrait sa place? Pourquoi pas? C'est une hypothèse comme une autre, hein. Regardez ce qui s'est passé avec Joe. Alors que ça fait depuis plusieurs années qu'on dit que Papy devrait partir en retraite. Ils nous l'ont gardé jusqu'au bout en disant que tout allait bien, que les médecins disaient qu'il était tout à fait apte à gouverner. Et puis, tiens, c'est bizarre, juste après de l'attent sur le tas de Donald qui a échoué, l'attent sur le tas qui a échoué, hein. Tiens, quelques semaines après, hein, 2 semaines après, un truc comme ça, on le met à la retraite. Il y a quelque chose quand même, hein. Vous voyez? Donc, en fait, ils se sont servis en disant de l'excuse qu'il avait le coco. C'est Joe, hein, qui a dit qu'il avait le coco et que c'était pour ça qu'il partait. Non, non, c'est pas pour ça qu'il part. Il part parce qu'il n'est plus apte à assumer ses fonctions et que l'attent sur le tas contre Donald a échoué. Voilà, ça aurait été une porte de sortie, hein. Bon, donc ils se sont servis de l'excuse de la mauvaise santé pour le virer. Eh bien moi, j'ai un truc comme ça. Alors je vous dis pas que ça peut être ça, mais je sais pas, c'est une hypothèse. Ah bah tiens, bon bah c'est lui, hein. Ah bah oui. Regardez, j'ai remplacé homosexuel parce que franchement, moi j'ai rien contre les homosexuels et ça m'énervait d'avoir cette carte-là dans le jeu. J'ai plutôt remplacé par PD, pédo et LG, truc chouette. Surtout avec les extrêmes, voilà. Et vous voyez, ça lui correspond beaucoup mieux. Hein, parce qu'on sait ce qu'il en est en ce qui le concerne. Hein. Bon. Ben, c'est lui. Donc moi je me demande, au vu des cartes, si. Et ça, je pense que c'était déjà sorti. Non, mais je sais, c'est déjà sorti il y a pas mal de mois de ça. Il ne va pas être mis de côté pour des fausses raisons de santé, pour être remplacé par un rival. Voilà, et ça, il en a peur et il le sait. Bon, c'est mon interprétation toute personnelle, je vous l'accorde. Alors, qu'est-ce qu'on a sur lui, là? Ah bah écoutez, oh mais ce qui m'énerve cette arme, il veut vraiment sortir. Attendez, je vais remplacer. Ouais, parce que j'ai le jeu de double le jeu de haut en double, pardon. Je l'ai une fois en allemand, une fois en français. Et j'ai pas dû bien trier. Bon, attendez, je vais vous remettre ça. Alors, hop. Bon, bon, c'est peut-être pas mieux quand même, hein, là. Bon, j'ai l'impression quand même qu'il est perdu, là, vous voyez. Là, on ne sait plus trop quoi faire. Ouais, c'est au niveau des communications, il ne sait plus quoi dire, là. Il est coincé au niveau des communications parce que tout le monde l'attend au tournant pour le fameux Premier ministre qui ne veut pas nommer parce qu'il sait que de toute façon ça va coincer, c'est le cas de le dire. Il n'arrive plus à faire, comment dire, une espèce de coalition, là. Il a beaucoup de mal à retrouver finalement une majorité. C'est de ça dont il est question, hein. Donc il est coincé pour gouverner. Ça, vous aviez compris. Mentir, voilà, comme d'habitude. Communication qui passe par le mensonge, mais il ne sait quand même plus quoi inventer comme mensonge. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les pensées cachées? Ah, bah alors, des pensées mortifères. Ah, ça, c'est marrant, ça. Oh là là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a sur cette carte-là? Rêve. Un rêve. Un rêve de qui? Alors, attendez, il cache ses pensées et il y a un rêve de mort.
Alors, est-ce que c'est lui qui a envie de partir? Ça m'étonnerait parce que lui, il a trop peur du pouvoir. Ou bien est-ce qu'il a peur que justement certaines personnes rêvent de l'éliminer? Oui. Ouais, il y a des remontrances là, il y a quelque chose. Hein. Voilà, un petit garçon qui demande conseil à quelqu'un de plus grand. Donc ça, c'est lui. Hein. Il a dû demander conseil au fameux expert, là. Voilà, ce chef, qui considère qu'il a manqué à ses devoirs, puisqu'il n'est pas assis à table, hein, vous avez compris. Et que là, il y a une menace de séparation, une menace de s'en séparer. Et on ira regarder un peu qu'est-ce qu'on lui reproche. Merveilleux, oui. Et là, fascination. Bon, fascination, désir, désir de couper. Merveilleux, ben c'est plutôt en fait un rêve merveilleux qui ne s'est pas réalisé, si on met ça comme ça, par exemple. Vous voyez? Il a échoué quelque part. Ou alors c'est lui qui va dire que tout va bien, tout va bien, que tout est merveilleux. Mais moi, je vois quand même un désir ici de coupure. Bon. On va regarder un petit peu si ses maîtres sont contents de lui, mais au vu du jeu, je n'ai pas l'impression. Attendez, je range tout ça et je reviens. Alors, on va prendre mon oracle et demander un petit peu si monsieur a bien rempli son contrat. Voilà. Donc, si les experts ou ses chefs considèrent qu'il a fait du bon travail. Alors, le passage de relais et la ville ou la capitale. Tiens, il y a un passage de relais là quand même. Ok. Alors, c'est pas facile de faire un tirage sur des gens dont on n'a pas les visages, puisque là, je regarde un peu les personnes qui l'ont mis en place, pardon. Donc, faut que j'essaie de prendre peut-être Chouabi, ouais, ou Jacata, Jacamadi. Ouais, vous savez compris qui c'est. Éventuellement les banques, les Roro. Ok. Alors, sont-ils contents de leur petit menu? Parce que c'est pas ce que j'avais moi dans le premier jeu. Bon, l'Esprit Saint. Donc ça, c'est moi. S'il y a quelque chose au niveau de la programmation du cerveau le concernant. Ok. Alors, c'est lui, hein. C'est lui qui est contrôlé mentalement. Je prends les mots. Non, je mélange. Et là, mise à l'abri. Alors, est-ce qu'ils considèrent qu'il ne répond plus? Leur petit robot ne répond plus. Attirance, ouais. Et là, j'ai séduction. Bon, beauté, séduction. Donc, c'est éventuellement envie de le mettre un peu de côté. Leur petit poulain ne plaît plus. Il y a de ça aussi. On va en remettre encore une. Bah oui, il est haï par les foules. Hein. Apostasie. Bon, bah ça le concerne lui, l'apostasie. Hein. C'est que les gens ne croient plus en lui. Oui, bon. Bah c'est ça. Vous voyez? Oui, bah c'est ça en fait. Il ne séduit plus les foules. Il ne séduit plus le peuple, il est détesté, il n'y a plus d'attirance. Hein. Ce que je vous disais avec Caligula au départ, il était aimé du peuple, et là il est tellement détesté que ça rend évidemment son travail compliqué. Je crois qu'en fait, il a été mis là aussi pour plaire, pour séduire les foules. Hein. Et que là, c'est l'inverse qui se passe, les gens ne croient plus en lui. Risque. Il le considère comme apportant un risque. Bon, il ne croit plus en leur poulain. Hein. Non. Il ne croit plus en lui. Il n'a pas rempli sa programmation, apparemment. Ok. Alors, on va demander. Bon, d'accord, les gens le détestent. Bon, ça apparemment, c'était pas prévu. Hein. Non, c'était pas prévu. Il devait quand même faire illusion jusqu'au bout. Ok. Alors, est-ce qu'il lui reproche autre chose? Un tricheur. Il a triché sur quelque chose. Bon, ça, ce sont ses maîtres, voilà.
Les maîtres sont là. Vous voyez, je n'ai pas forcément de nom. Enfin, j'en ai quelques-uns en tête. Quelques-uns en tête, oui, c'est ça. Mais en fait, ces maîtres, ce sont ces gens-là. Alors, ces maîtres considèrent qu'il a triché. On va devoir, on va essayer de voir qu'il n'a pas joué franc jeu, quoi. Mais bon, c'est bien eux, hein, perversité, on est d'accord. Ces maîtres, ils sont là. Alors, ah, c'est marrant, on retrouve la même chose. Alors, il a triché. Il a triché. Alors, soit il leur fait peur, ou soit c'est lui qui sait qu'il a triché et il a peur de la réaction de ces gens-là. Alors, je ne sais pas où est-ce que c'est qu'il a triché. Est-ce qu'il a triché par rapport à sa gestion des finances? Il a dépensé du n'importe comment alors qu'il n'était pas censé le faire? Où est-ce qu'il a triché? À quelle mesure? Oui, non, c'est bien l'Élysée, je suis bien connectée. Donc c'est bien lui, il a triché. Dans quel domaine? Un tourbillon, une tornade. Il a les mains liées. Oui, bon ben, je crois que c'est sa fameuse dissolution, hein. Elle n'était pas prévue, à mon avis, hein. Il a déclenché un tourbillon et du coup il se retrouve les mains liées. C'est bien possible que ce soit ça, hein, la vérité. Oui. La croire. Ben, il ne croit plus en lui, hein. Oui, c'est ça. Il y a deux choses. D'abord, il a dépensé sans compter et ce n'était pas ce qui était prévu. Parce que du coup, il est coincé par rapport au budget. Et ça, je ne vous apprends rien, mais enfin, c'est quelque chose qui est important. Et surtout, eh bien, voyez, le gouvernement, là, il a dissolu. Non, il a dissous, bah, m'a dit, pardon, il a dissous l'Assemblée, excusez-moi. C'est lui qui est dissolu. Non, non, il a dissous l'Assemblée. Donc la vérité éclate au grand jour. Il n'est plus en position de gouverner. Et là, eh bien, plus personne ne croit en lui. On va quand même mettre une grande carte sur le gouv, là, l'Élysée, hein. Confirmation. Bon, j'ai la carte de la confirmation. Oui, ça, c'est moi qui ai écrit. Bon, bah, c'est ça. Donc, il n'était pas censé dissoudre l'Assemblée. Et il n'était pas censé dilapider tout le budget, puisque là, ça passe pas. Ok. Bon. Alors, est-ce que Manu a compris qu'il a fait une grosse bêtise, qu'il a fait une grosse boulette? Alors, il attend une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il attend comme bonne nouvelle, lui? Ah oui, c'est marrant, ça. Il attend une bonne nouvelle du fait de son pacte avec le diable. Serait-il possible que Monsieur Caligula fasse des petits rituels en douce pour continuer à avoir le pouvoir? Ah, mais vous savez qu'on trouve des trucs, hein, quand on fait de la cartomancie. Eh bien, moi, je me demande. Ouais. Je me demande si, effectivement, il n'a pas fait des petits trucs de son côté à lui pour demander protection de celui-là, là. Vous voyez? Celui dont vous voyez la main en rouge. Non, attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, excusez-moi, je voulais mettre une grande carte. Attendez, je la mets dans le jeu. Parce qu'on attend quand même une bonne nouvelle, là. Ouais, donc en fait, il joue, comment on appelle ça? Il joue cavalier seul, vous voyez? Il joue égoïsme, il joue la carte de l'égoïsme. Voilà. Il voulait absolument rester au pouvoir, et faire absolument ce qu'il voulait. Voilà, tout dépenser sans compter, mener la belle vie, nanana. Et à mon avis, ben, il en a fait un petit peu trop. Et il a compris que ben, ses maîtres n'étaient pas tout à fait d'accord avec lui. Donc il a la trouille. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il veut absolument rester au pouvoir. Il veut rester au pouvoir. Donc il a fait un petit pacte avec le diabolo. Voilà. Mais est-ce que ça va? Alors, est-ce que ça va se réaliser? Est-ce qu'il va avoir gain de cause? Est-ce qu'il va rester? Sauf que tout le monde le montre du doigt. Ouais, vous voyez, il y a des révélations. Tout le monde le montre du doigt. Bon. Tout le monde se rit de lui. Tout le monde se moque de lui. Donc non. Je pense pas que ça va réussir son petit pacte avec le diable. Tu sers le mauvais maître. Ben voilà, tu sers le mauvais maître. Il faut jamais faire confiance au diable. Alors, on va regarder maintenant son devenir. Est-ce que, comme je le subodore, ses maîtres vont le mettre de côté, pardon, ses maîtres vont le mettre de côté, oui.
Donc, est-ce qu'il va pouvoir continuer comme ça, hein, jusqu'en 2027? On va regarder un peu ce que mon jeu me dit. J'avais pas trop envie de la sortir, celle-là. Tiens, je sais pas pourquoi. Bon, je vais quand même la laisser. Alors, séduction. La ville. Le déni. Bon, c'est lui qui est dans le déni, hein. Il joue toujours la carte de la séduction, sauf que ça ne prend plus. Non, ça ne prend plus. On va peut-être mettre juste une carte là, hein. Pas plus. Ouais, déception. Ouais. Il veut pas accepter qu'en fait, il a déçu tout le monde. Mais tout le monde. Son parti, ses chefs, ses maîtres, la population française, je n'ai même pas besoin de le dire. Bon, ok. Bon, ça, c'est Paris, hein. Ok. Donc, sa séduction ne fonctionne plus. Voilà. Alors, oui, donc, son devenir. Vas-tu rester jusqu'au bout? Alors, est-ce qu'il va rester jusqu'au bout? Allez, on y va. Bon, handicapé. Et ben voilà, regardez. Moi, je le voyais. Vous voyez, je le vois handicapé. Voilà. Et m'être mis au repos. C'est marrant, hein? Ça sort vraiment tout le temps. Donc, la retraite. C'est la retraite, la mise au repos. Non, mais il va être dégagé, hein? D'une façon ou d'une autre. Attendre, donc il y a encore une attente, et joie. Bon, c'est sûr que là, c'est la joie, elle est pour nous, hein. Là, les gens seront contents quand il sera dégagé, et moi, je ne vois vraiment pas rester jusqu'au bout. Bon, donc ils attendent de le dégager, ils attendent de dire que là, il est handicapé, là, un peu comme Joe, quoi, et qu'il va devoir partir parce qu'il va être mal en point. Ouais, moi, je pense. Hein. Ouais, ils vont le mettre de... Bon, là, il y a une menace qui pèse sur lui. Il y a même de la violence. Ah, faut qu'il fasse gaffe quand même, hein. Attention, hein, parce que là, c'est de la violence quand même, hein. Donc, s'il s'obstine à rester malgré ce que disent les autres. Ouais. Populaire, c'est aussi le peuple. Donc, ah puis c'est marrant, ça fait échec populaire. Vous avez remarqué? Regardez, échec populaire. Ah oui, tiens, c'est excellent. Bon, voilà, c'est ça en fait. Vous voyez, en fait, il n'aurait pas dû se faire autant détester, je pense. Parce qu'il s'est fait tellement détester qu'il a perdu complètement les élections législatives, hein, qu'elles soient européennes ou pas d'ailleurs, hein. On ne peut pas dire qu'il a fait un bon score. Non, non. Il a perdu sa majorité. Je crois que tout le monde sera d'accord là-dessus. Donc, échec populaire. Donc, il s'est mis lui-même en situation d'être ligoté. Vous voyez? Et là, il y a une menace quand même. Hein. Attention. Hein. Il y a une menace. Hein. C'est-à-dire que là, s'il refuse de partir en retraite avant l'heure, regardez du côté de Joe, par exemple, eh bien, il risque d'y avoir une solution plus tranchante, j'ai envie de dire. Donc, c'est bien ça. Il lui reproche son échec populaire. Hein. Alors, les dettes, certainement. Alors, on peut regarder rapidement. Est-ce qu'au niveau de l'agenda, est-ce que celui-ci est respecté? Parce que, apparemment, d'après ce que j'entends, ils sont quand même en retard. Alors, leur agenda, pardon. C'est difficile à dire. Leur agenda est-il OK? L'appel des sirènes, oui. Les réserves. Le vent du changement. Alors, l'appel des sirènes, à quel point de vue? Des réserves, des provisions. Et là, il y a un changement. C'est marrant ça, parce que je les vois se disputer. Alors, je sais que c'est l'Assemblée nationale, mais là, j'étais partie sur leur agenda. C'est comme s'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Pour savoir quel piège nous tendre, ou par rapport à un piège qui devrait arriver. Ok. Des choses en réserve. Et là. Bon, en tout cas, il y a une femme là qui va arriver par la suite. Hein. Ouais, il y a une femme qui va arriver par la suite. D'accord. Mais là, j'étais sur l'agenda mondial. Attendez, c'est quoi cette histoire de réserve? Bon, ils ont pour nous quelque chose en réserve, un autre danger en réserve. Pour l'instant, ils sont peut-être pas tout à fait d'accord.
Hein, parce que si plan A ne fonctionne pas, ben, il y a plan B, plan C, plan D, etc. Et moi, j'ai l'impression que pour l'instant, il y a un plan qui ne fonctionne pas. Alors, c'est peut-être justement le popo du singe, là, le pox du singe, parce que les gens ne sont pas vraiment enthousiastes, qui sont en train de se demander s'ils ne vont pas nous en mettre un autre. Il y a un truc qui ne fonctionne pas, là. Bon, on va regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ah, bon, ben, c'est secret. Oui, non, moi, je veux savoir. On nous fait peur, mais on nous fait peur pour nous emmener vers un danger mondial. Il y a la guerre aussi qui sort. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas là? Attendez. Parce qu'ils sont en train de se disputer. Quelque chose qui va craquer. Ah, ok. Ben, en fait, c'est amusant parce que... Attendez, je vais quand même mettre une carte sur cet homme-là. Je me demande si c'est pas... Il y a un homme qui leur pose problème. Mais je me de... Alors, soit c'est l'Est, soit c'est l'Ouest. Je ne sais pas lequel des deux. Je pense que intuitivement, je pense que c'est Vlad. J'ai pas de nom sur la carte. Parce que là, il y a quelqu'un quand même qui est sincère, qui ne veut rien entendre de la part de ces satanas et qui veut nettoyer les écuries d'Ogias. Et Vlad a toujours dit que justement, il voulait nettoyer. Nettoyer la saleté de ses pervers. Hein. Il voulait se débarrasser de ses pervers. Je pense que c'est Vlad. Donc, il y a quelque chose par rapport à l'Est qui leur pose vraiment problème à ces mondialistes. Hein. Ce Vlad, c'est une épine dans leur pied. Alors, un dictateur, c'est un dictateur, mais bon, je dois dire que entre choisir entre aller aux US ou aller en Ruru, bon, si je savais parler le russe. J'émigrerai peut-être vers l'Est. Il y a un homme qui leur pose problème là. Ok, d'accord. Et ça risque de faire tout écrouler. C'est bien en relation avec un problème international et les problèmes annoncés par la comète. Donc tout ne va pas comme ils veulent. Non. Non. Et ils sont embêtés du fait de la résistance de l'Est. Donc, tout ne va pas comme ils veulent. Effectivement. La résistance, ou plutôt le fait que la Ruru trouve des alliés, c'est les BRICS, hein, ça leur pose problème aussi. Ok. Il y a les problèmes de l'identité, le contrat. Ah, ben, je vais y arriver. Oui. Ouais. C'est un bras de fer, hein, entre l'Est et l'Ouest. Parce que l'Ouest a décidé vraiment de tout faire pour continuer à modifier notre génome. Il y a un contrat, là, de tout changer. Et Vlad, c'est vraiment une épine dans leur pied. Hein. Ouais. Ouais. Bon, ok. On va arrêter. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue. Donc, ben, en fait, c'est l'Est qui leur pose problème dans leur agenda. Plus le fait que leur poulain fait n'importe quoi. Donc là, ils sont un peu embêtés, ils sont coincés, ils ne savent plus trop comment faire pour continuer à faire avancer leur agenda. Hein. D'accord? Bon. Ok. Je vais arrêter là. Donc, des petites infos intéressantes. Hein. Donc, à mon avis, de ce que je vous avais dit il y a 8-9 mois de ça, à mon avis, il va être mis, effectivement, il va être dégagé. Il y aura une femme. Apparemment, moi, j'ai toujours une femme qui sort. Qui devrait reprendre le flambeau, mais enfin, bon, celle-là, de toute façon, sera aussi une collabo. Bon. Mais enfin, bon, faut pas non plus aller, comment dire, critiquer, ou faut pas non plus critiquer les petits plaisirs qui peuvent nous arriver, à savoir que l'autre y dégage. Voilà, merci d'avoir regardé, et puis on fera des vidéos. À bientôt tout le monde!